C'est un pote garagiste qui nous l'a trouvé sur un site de vente aux enchères. Et en gros, on avait soit le choix entre un camion de CRS et un camion de pompier. Et on préférait le style du pompier. Je suis allé le chercher pas très loin de Lyon. Laisse tomber, j'étais sur l'autoroute, je faisais la course avec les poids lourds, j'étais là... Et en fait, je crois que je me suis pas assez échauffé, il n'y a pas la direction assistée. Ça se conduit, hein, mais c'est sport quand même. J'ai vraiment chopé une tendinite pendant 2 semaines. Hein. Je suis allé chez l'ostéo et tout. J'avais tout le bras en feu. La négliopathie. Tu verras le bordel que ça fait. T'es assis sur le moteur. Tu t'entends pas. J'avais pris un petit peu watt. Mais du coup, on était là. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Le camion, il date de 90. C'était cool d'avoir un véhicule qui avait un peu d'historique. Et au-delà de ça, pour rouler à l'huile de friture, il fallait qu'on ait un moteur un peu rustique. Move your body! Avant, les ailes. Clé du bonheur. On n'a pas encore trouvé la serrure. La shitbox qu'on vient de voir, l'arrière et démarrage. Il y a des potes là qui veulent bien nous filer un coup de main pour retaper le camion parce qu'on n'a pas de grande connaissance. Pour moi, il veut tout péter, lui qui veut tout garder. Donc, ça, c'est notre salon, notre chambre, ouais. C'est l'arrière du camion quoi. Ouais. Et après, en fait, je mets tout à plat pour que ce soit plus facile pour la découpe. Là, on est à la recyclerie à Cap Solidarité, à Plozévette. C'est un peu comme un Emmaüs où les gens viennent déposer des affaires dont ils veulent plus. Et après, ils les revendent ici. Dès que le camion va démarrer, là, c'est sympa, là. Faire du skate au milieu des graviers avec la vaisselle dans les mains. À côté de ça, ils ont la partie la refabrique, où ils récupèrent des vieux meubles bretons que plus personne ne veut et qui sont pas vendables. Et du coup, c'est ça qu'on utilise, nous, pour retaper le camion. Et en plus de ça, ils ont toute une menuiserie, enfin plein de machines. C'est vraiment top. Et l'idée, c'était éviter d'acheter du neuf. Donc ça tombait à pic, quoi. Oh là là, le zip et tout. Ah, ça biche. Merci, les filles. Ta-da. Ah, renu, ça. Assorti au canapé. Ah ouais. Je l'ai, monsieur Gladu! Il était avec nous en Bretagne sur Goualaz, au Salomon sur Goualaz, au Gabon avec nous, en Amérique centrale, on ne dira pas où, plusieurs fois, en brouette. Et les ânes? Et les ânes, et c'est vrai qu'on l'a trimballé au Maroc sur un âne aussi. Et donc là, il finit sur le toit du camion. Après, c'est peut-être pas sa fin, mais en tout cas, il va être bien là. Tu veux une clé à pipe? Bienvenue dans le Glory Hall du Miglo Frita. On marquera le nombre de jours qui reste à tirer. C'est ça. Putain. The only thing I can really speculate on is the very existence of my life in terms of form, content, form, content, form. Knock off the bullshit. Get to the point. This is the point. It's not bullshit. This is the point. I can't seem to get that through to you. This is the point. It's not bullshit. This is the point. I'm talking about my life. I'm not just talking about one person. I'm talking about everybody. I'm talking about form. I'm talking about content. I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally. Thanks.
fucking dumb, I can't believe it. J'ai toujours pas fait de rouiller. C'est Looky Look qui bosse à la recyclerie depuis peu. C'est un très bon surfeur, même un peu trop, il surfe mieux que nous. Ouais. C'est un peu blasant. Ouais. Fan de Lost in the Soil depuis son plus tendre jeune âge. Ouais. Donc c'était cool, non, c'est trop bien, franchement, trop de chance de t'avoir, merci, parce que sinon je pense qu'on aurait posé trois planches à l'heure qu'il est, sans toi. C'est maintenant que tu nous connais, t'es pas trop blasé? Ah, un peu quand même. Ah, la légende, elle est... Ils râlent, ils sont fatigués, ils ont faim. Quand ils ont faim, ils sont comme tout le monde. Franchement, s'il n'y avait pas France 3 Région, j'irais jamais surfer ça. Hein. J'irais jamais à l'eau, là. En plein hiver, surfer du vent, des wagons shore, claqués, sans période, sur un riff où même, ça passe même pas sur le riff, ça passe tout sauf là où ça devrait déferler. Sans déconner, chier. Le tableau est dressé. Un truc, et c'est vrai qu'Oxbow ils nous disent que quand on connaît des mecs cool qui sont in un peu comme okay. toi, et ben on peut leur proposer une petite dot, un petit partenariat, c'est juste vêtements. Hein. Et pareil avec les boards, ça te dirait? Bah ouais, ça me dirait pas mal, ouais. T'as le gars, il offre des milliers d'euros de fringues et des boards, et il râle. Non, ouais, grave. Ouais, 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 je serais trop chaud. Cool. Par contre, ça risque de rajeunir ton style un peu. Hein. Ouais, c'est-à-dire le old school péchou. Tu vas être biché en fait, tu vois. Tu te transformes en bordelais. Ouais. Oxbow, c'est bordelais. Bah ouais. Ouais, c'est normand à la base, mais ils sont à Mérignac depuis. Ah ouais, ok. Toujours, je savais pas. On pourrait même leur tirer le machin. Ah bah tiens. Quoi? Il y a le solo dans son faucon millénaire. Nickel. On a été voir Mick, un pote de Tristan, qui est un pote surfeur du coin. Et c'est cool parce qu'il récolte de l'huile de friture et il a pu nous en dépanner 20 litres. Lui, il roule depuis plusieurs années et c'est vrai que ça n'a pas l'air facile. Parce que dès qu'il fait un peu froid, c'est-à-dire en dessous de 20 degrés, si tu mets beaucoup d'huile, en gros, tu démarres plus. En tout cas, on va dans le sud, hein. Oui, on est d'accord. On va pas dans le nord. Non, non, non. Il fait meilleur dans 56. Non. En fait, la DEP, elle avance avec. Ouais, je sais. C'est catastrophique. J'ai trop de skater et de me faire une cheville. J'essaye de mettre mon longboard. Même si j'ai les côtes cassées, j'ai l'espoir quand même à un moment ou un autre de pouvoir surfer. Qu'est-ce que tu dis? Allez, on va au nord. Ouais, Dunkerque. Dunkerque. Dunkerque.
Monsieur Gladius sort de l'eau, voilà, on l'a filmé, il avait les côtes pétées et apparemment ça va mieux puisqu'il a fait 2-3 petites belles saumonades et puis maintenant ça sera notre tour. C'est un espèce de boui-boui où il va y avoir 4 croquettes à 10 euros le kilo là. Ouais, les boutons magiques, les warnings. Voilà. Et là on est peinard. Oh. Ouais, une fois de plus on est dans la secret spot. Oh, ouais. On taira le nom. Voilà, on va à la plage. Ça me mord de rire les vieilles. On a croisé des potes ce matin avec qui on a surfé. Ils sont du quartier, ils ont des plombs pour squatter peinard près de la mer et pas prendre 135 balles d'amende comme on a pris cette nuit. On arrive à l'association Roule ma frite 85. Donc c'est juste le démarrage où tout va être froid. C'est juste attendre que ça chauffe un petit peu et rapidement, ce liquide de refroidissement, il chauffe. À part l'odeur à l'échappement, vous verrez pas de différence. D'accord. C'est comme ça que ça se passe les huiles, c'est que c'est dans un coin de la cuisine, le pire endroit. Et à un moment, il se réveille et il n'a pas géré ses huiles depuis v'là le temps. Donc ils appellent qui là ? Roule ma frite. Parce que les bidons commencent à se casser la gueule, ça déborde, c'est dégueulasse. Hein. Il y en a, ils gèrent très 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 mal. Hein. Le resto, tu le vois de devant, ça fait rêver. Tu vas en cuisine, c'est cauchemar en cuisine quoi. Comme chez les piscinistes, la durée de vie de ce bidon, une fois il a été utilisé, c'est ça, ouais. Et ça part en enfouissement. Sur l'axe La Rochelle, Sud-Royan, Île-d'Oléron, Bassin de Marraine, Rochefort, Roule ma frite, on ramasse 100 000 litres à l'année. Dans ces 100 tonnes, on s'est toujours battu pour essayer de revaloriser localement un maximum d'huile. Et il y a des Corses, deux chimistes Corses qui se sont rapprochés de nous. Ils ont pondu une formule qu'à partir d'huile, voilà, tu fais un ultra dégraissant pour les restaurateurs. Les huiles de chêne de tronçonneuse, un nettoyage courant des coques de bateau à flot, totalement biodégradable.
Pour le Mafrit, on est toujours parti à fond sur le carburant alternatif, mais reconnu et validé par les services de l'État. Les bus scolaires, les minibus qui peuvent transporter des personnes qui n'ont pas de véhicule, les personnes âgées en milieu rural. Les quelques adhérents de l'asso qui sont militants et qui roulent à l'huile parce qu'ils ont des vieux véhicules et que quand tu roules à l'huile, tu pollues quand même moins. Mais on a voulu vraiment officialiser ce carburant pour tout ce qui est vieux véhicules. On a dépensé une telle énergie pendant plusieurs années parce que les services de l'État, c'est... En France, il ne se passera jamais rien d'autoriser quand tu es petit. Toutes les autorisations, c'est pour les pétroliers. Ça part dans la filière biocarburant. N'empêche que McDo, c'est ça. Ils ont réussi à obtenir une dérogation du gouvernement. Pourtant, c'est autorisé au niveau européen. Ça, c'est une légende. Il y a beaucoup plus de tolérance, voire aucun problème en Espagne ou en Angleterre. Ou en France, on sait que les douanes, c'est strictement interdit. Là, c'est pour la bonne cause. Cool, bah, okay. Merci beaucoup. Il faut le mélanger en bidon pour bien faire. Mais avec le master, vous roulez dès maintenant à 50%, hein, minimum. On est dans la dune, on est dans une dune. Chut, on est dans la forêt. Abonnez-vous. Mmh, le goûter. Oh, magnifique. Qui a pris la tartelette au fruit rouge. Longueur de la gauche là, c'est un peu parfait. Un peu mou. C'est mou, c'est chiant. Oh, c'est super mou. Oh, c'est claqué en fait. Ah non, on a eu des bonnes vagues grâce à toi, merci ouais. Bah écoute, on va voir ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je sais pas, la quinzaine, non? Ouais, la quinzaine, ouais. Tu bossais pour... Je suis désolé, moi ça me rend au moins curieux. Parce que votre existence est merdique, mon pauvre ami. Vous avez l'œil qui brille à chaque fois qu'un oiseau pète. C'est triste à voir. Ça fait des années que vous menez un train de vie de noix de Saint-Jacques, alors évidemment. J'ai ma veine qui sort ou pas? Ouais. Ah, c'est que j'ai chaud. Putain, la vache. Discret, discret.
fait un trait sur l'autoroute, Ronus. Ouais. Je crois que rien ne serait passé. Finalement, ouais. Ça sent la frite, hein. Oh, ouais. À chaque fois que je dis quelque chose, je me fais engueuler. Donc là, on va à un super banc de sable à marée basse. Là, il y a Vincent, Milou, là, qui nous rejoint, normalement. Et après, on va voir Kepa Cero au changement. Et on est avec Régis Le Goff, quand même. Hey. Hey. Régis Le Goff, hein. Attends, mon cousin, ça fait 5 ans qu'il fait de la tôle. En fait, il est chaudronnier. Et comment tu fais avec ton bracelet électronique pour aller surfer, Régis? Ça bip pas quand tu passes près d'une école primaire? Moi, c'est le métal. Je là, travaille dans le métal. Avec tes soudeurs, je fabrique les tôles. Tempora mori, tempora mundis recorda. Ça donne une idée des vagues de surf en général en Bretagne. Ça ressemble à ça? Ouais, souvent. Vincent est venu nous voir lors d'une projection à Biarritz. On l'a invité chez nous, il nous a invité chez lui. En ce moment, il est bien trop occupé à démonter la planète skate pour prendre le temps de monter jusqu'à Plougastel d'Aoulas. Au printemps dernier, il s'est blessé le talon. On est descendu le voir. On a Cabreton. J'ai Milou qui nous a invités chez lui pour faire découvrir ses spots. On lui ramener quelques petites spécialités bretonnes. C'est des crêpes. C'est du quartier. Et on a trouvé un petit plateau à la maison. Mais non. De location. Tempora mori. Tempora mundis recorda. On fait compète de barrel et pour l'instant il est à 0-0-1 pour le local. Et je crois que c'est ses potes qui ont masterisé. En fait, on va les mettre dans la vidéo et pas nous, parce qu'il n'y a que les locaux qui ont surfé des vraies vagues aujourd'hui. Jason Diesel content que ça cesse. Non, Jason Diesel il est pas content. Jason Diesel. Comme ça qu'il m'appelle le petit. C'est un mix entre Jason Statham et Vin Diesel. Jason Diesel. C'est toi qui nous as sorti à sortir de l'eau, hein. Moi j'ai rien dit, moi. Moi je commençais à peine à m'échauffer là, je commençais à... Tu mets du temps à la chauffer. Je suis un vieux mec, moi je suis diesel, hein. Je suis pas un petit jeune comme diesel, ça. Diesel, diesel. Donc aujourd'hui les vagues sont plus petites, à son désavantage, parce qu'il n'y a pas de barrel. Donc on va voir c'est qui met les meilleurs turns. Ouais, mais du coup elle a annulé. Pourquoi? Et, bah, forecast c'est pas bon, on reste sur les scores d'hier non, et du non, coup, non, ouais, non. Du coup j'ai gagné le resto. Combien de nuquettes aujourd'hui alors? Ah Nolo qui score. Allez, ouvert le compteur. Hein. Compteur lui, j'ai ouvert. Compteur lui. Sanctis Recorda, Sanctis Deus Rex. Ce qui veut dire absolument rien. Pourquoi? Timeo Libri Rex. Missa Brevis. Mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type « Le roseau plie, mais ne cède qu'en cas de pépin ». Timeo Libri Rex.
secret spot de Seignosbourg. Là, je vais enlever mes lunettes profilées. Apparemment, c'est interdit. On va laver la gueule de Ronus qui a de la crème bleue partout, là, tu sais, comme ça. Les vrais surfeurs, quoi. Nono n'a pas pris son carver. J'ai prévenu en avance parce que dans le monde du skatecore, ça passe pas du tout. Il y avait interdiction. Non, mais mec, le pump track de Plouinec, il est légende. 40 marches. Défaillance de gainage. C'est à Copenhague, c'est un spot de merde. Hein. Regarde. Wow. Erreur l'élan, c'est pas un spot, hein. J'ai fait, on a fabriqué l'élan avec un truc de merde quoi. Hey, regarde, Milou. Je t'ai fait une démo des surfeurs qui viennent. Ouais, vas-y, fais-nous une démo de surfeurs. Ça travaille bien le roller. Oh. Il y a toujours un comme ça, tu sais. Ah, t'es sûr? Ouais! Je sais pas pourquoi ils font ça, parce que là, les jambes, tu vois, ah bah ça fond trop mal, quoi. Tu es mieux, tu. Oh! Le petit backsider! Le bloqué, il est là. Ça, il me saoule, les pommes track, casquette de travers, lunettes profilées, la totale quoi. Tout le retard. Bien surfeur quoi. Le flotteur. Vas-y, fais-moi rêver. Oh ouais, le flip, je sais pas faire. C'est vraiment le pire trick quoi. Quand t'es là, tu fais ton talon, et puis ça repart. Ah merde. Oh wow. Oh. Je vais pas te gêner, hein. Yes. Vas-y, fais-le. Allez. Pas trop en angle comme ça. Pas trop en angle. D'accord. Vas-y, essaye comme ça. Ah ouais. Là, tu montes. Oh, c'est dingue. Bien encore. Ah. On n'a rien vu. Lâche pas le morceau, lâche pas le morceau. Oh oui. Ah, on se voit skater en surf, tu te vois pas surfer quoi. Ouais, allez, un peu souple. Oh oui. Bon ça. Allez, on se casse surfer, c'est bon. Pour les 4 à la suite. Oh là là. Ah, je le refais. C'était moche, mais tant pis. Hein. Mmh. Oh, voilà, on y va. Ouais, on y va. Timéo Libri, Rex. Ministre Abrevis, expire tous mes
célèbre secret spot des au nord. Chut, merde, j'ai encore gaffé. Et c'est pas ouf. En breton dans le Pays Basque, il fait pas beau et il y a pas de vagues. Donc on va aller voir Hugues de Roule Ma Frite 64 qui nous accueille de bon matin là, il est 8h, c'est pour ça qu'on est un peu collé. Ouais, je sais plus, mettre de l'huile de frite du Pays Basque. On peut faire 2000 bornes avec ça. Ouais. Donc on rentre à la maison parce qu'il pleut, il y a pas de vagues. Et chez nous c'est offshore. Et chez nous c'est offshore, il fait beau putain, mais ça fait 10 ans que ça dure. On est chez Notox à Anglette, en plein atelier de peinture. Bah, du coup, c'est Aurel là qu'on a rencontré hier. Du coup, il était super emballé. On lui a dit ah, bon, on a besoin de faire ça demain. Et du coup, nickel. Regardez qui est là, Benjamin. Toujours prêt pour du coloriage. Même de l'ombre. Pêcheur irlandais. Do you feel that? Do you see that? Same street, same people passing by. Do you feel that? Do you see that? Still the same shit I thought I left behind. Are you falling apart? I'm down. Are you growing old? Do you have memories of all times? Is it written in stone? Troisième jour de pluie, ouais, et de non-vague. Et là, on part en Espagne, si j'arrive à sortir de la place. Ah voilà, tu t'es bien garé là. Il te reste 25 cm. C'est pas grave. Que cette casquette, c'était pas prévu ça. Every time I run away, I'm thinking of you. Do you feel that? Do you see that? Same street, same people passing by. Do you feel that? Tu fais un nouveau pote, maman? Deux nouveaux potes. Ah ouais. Qui pas sont. Oui, c'est ça. Quel est son nom? Lore. Lore. Yeah, which means flower. Ok. Bijou, jamais surfé. Il y a 3 mètres. Waouh. Vague que j'ai jamais surfé. Il y a éclaté la borne là. Je suis blasé, je serais bien resté dans l'eau, mais. Comme dit Ronus, les meilleurs goofies de toute l'Espagne qui sont dans l'eau. Et pas régulier. Voilà, et pas régulier. J'ai peut-être dû me poser des questions. Voilà, j'étais voir notre show se mettre des barrels, quoi. De près, moi c'est sympa, là. Do you feel that? Do you see that? Same street, same people passing by. Do you feel that? Do you see that? Still the same shit I thought I left behind. À l'huile. À l'huile. Allez, roule ma frite.
T'es sûr qu'il y a un resto aussi, Marc? Parce que là, je sais pas pourquoi. What size was the red one? That was a 5'4", and I lost many ways. So I decided to come to the car, get the 7'2", and then I couldn't turn, but it was I got so many ways. Il n'y a pas grand monde, vu qu'on a de la chance. Donc, non, super. Muchas gracias. No, perfecto. A vosotros. Merci. That was good. No people. Yeah. I know it's not easy. No. It's the same for me in Josegor. In la gravière. Yeah. Ça fait 5 heures aujourd'hui, et maintenant, il faut que je fasse à bouffer pour mes 5 copains. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Hein. Tu vois pas ce qu'ils font en backstage, ça glande. Hein. Benjamin, il a dit qu'ils a mangé, hein, mais il vient pas. Il est 21h30. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Les seules personnes qui peuvent nous arrêter parce qu'on roule illégalement à la frette, c'est les douaniers, et là on vient de passer un contrôle de douane où il y a la voiture devant nous qui s'est fait arrêter. Donc je me suis fait une petite montée de pression. Voilà. C'est pas aujourd'hui que je serai en taule, peut-être demain. Car oui, voilà,